Salam alaikum. Alors aujourd'hui, on va faire le 36e degré de la foi qui est accepter la difficulté et garder en espoir de la facilité. D'accord? Donc, ça, c'est dans une sourate, hein, sourate Chouachcheh, qui parle du fait de certes, après la difficulté vient certes la facilité, certes, après la difficulté vient certes la facilité. Donc, soyez vraiment. Comment on appelle ça? N'ayez pas peur de la difficulté. Malheureusement, des fois, ça fait de l'angoisse, ça fait des pertes d'argent, des pertes de personnes, des pertes. Mais ça va vous fortifier. D'accord? Ne soyez jamais dans le désespoir et en vous disant, ouais, ça va jamais marcher. Non. Ça va marcher, Inch'Allah. D'accord? Même vous avez une autre sourate, hein, sourate Al-Falaq, qui dit quand ça s'assombrit. D'accord? De chercher secours envers celui qui va sortir et qui va vous sortir des ténèbres. C'est Allah qui va vous sortir des ténèbres, d'accord? Après, il va falloir faire les causes aussi, hein, d'accord? Vous, il va falloir faire les causes. Il faut faire la demande. Il faut que vous faites la demande. Allah, aide-moi. Allah, aide-moi. Allah, aide-moi. Sors-moi de ce pétrin. De façon halal. Sors-moi de ce pétrin. Et après, cherchez, peut-être que c'est vous qui avez oublié un truc. Peut-être que. Allahu a'lam, même peut-être que vous êtes une femme et vous voulez vous marier et que vous trouvez pas d'homme, et sauf qu'il y a un homme qui cherche à se marier dans votre connaissance, mais vous pensez pas vous marier avec lui parce que c'est un ami et vous voulez garder cet ami, etc. Mais en fait, peut-être que c'est lui avec qui vous devez vous marier. Allahu a'lam. D'accord? Donc essayez. Et c'est pareil pourquoi déjà? C'est pareil dans Sourate Al-Baqarah, Allah il dit quoi? Il dit qu'en gros. Et il ne chargera pas plus d'épreuves que l'homme serait capable de porter. Genre, tes épreuves ne peuvent pas te faire tomber. Ne peuvent pas faire tomber ton âme, d'accord? Elles vont pas te faire tomber, elles vont pas te faire couler. C'est à toi de t'endurcir, soit d'endurcir ton corps. On en a parlé, je crois, dans une autre branche, on en a parlé, mais je crois qu'on va en reparler, je crois, je suis pas sûr. Mais voilà, le fait d'avoir un corps en bonne santé aussi va vous permettre de faire face aux difficultés. Donc, ne soyez pas feignants, ne soyez pas paresseux. Et ça, c'est un truc que je me dis à moi aussi, hein, d'accord? Il ne faut pas que je sois feignant, faut pas que je sois paresseux. Il faut faire les choses, il faut marcher un petit peu, faire du sport, etc. D'accord? Donc voilà, acceptez la difficulté. Et justement, il y avait, je crois, des sahabas. Il s'inquiétait quand il recevait plus d'épreuves. Il s'inquiétait parce qu'il disait, ah là là, je ne peux plus avoir d'épreuves. Soit c'est parce qu'il y a une grosse épreuve qui arrive, soit c'est parce que il va avoir Allah ne m'aime plus trop, d'accord? Enfin bref, c'est comme ça. Il s'inquiétait alors qu'en fait, c'était pas ça. C'est juste l'ordre des choses qui fait que des fois, ben, vous avez un temps d'accalmie. Allahu a'lam, hein, d'accord? Mais voilà, les gens, ils s'inquiétaient de ne pas avoir d'épreuves à l'époque. Hein. Donc voilà. Je sais que c'est difficile, c'est une branche qui est difficile d'accepter les difficultés, puisque des fois il y en a qui sont en angoisse, et moi le premier, hein, d'accord? Donc voilà, il faut vraiment être soudé et s'entraider, du coup, s'entraider dans la science et dans la difficulté, dans la patience, hein, s'entraider pour être patient. Voilà. Et si je veux vraiment finir sur cette branche-là, je dirais que le fait de planter une plante. Comment dire, c'est important. Même si en fait, on n'est pas sûr de voir le résultat. Dans le sens où en fait, comment dire, la difficulté des fois s'éternise, mais en fait, faites le maximum de bonnes actions et ensuite vous récolterez les fruits, d'accord? Et des fois, vous avez l'impression que vous récoltez rien du tout. Mais des fois, c'est pas vous qui allez récolter, hein. Des fois, c'est vos enfants qui vont récolter les fruits. Donc ça c'est un point de vue vraiment qui est macro, un macro point de vue, hein, d'accord? C'est un point de vue qui est beaucoup plus. Ouais, c'est. Donc voilà. Donc voilà, acceptez la difficulté. Voilà. Slema et prenez soin de vous.